Salut les gamers, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous parler du nouveau record du monde sur Fortnite. Alors on va pas parler de Gotaga, ni de Tixi, ni de Ninja, de Kingstar ou de n'importe quel autre gros joueur. Aujourd'hui, le record du monde de Fortnite en termes de kills a été battu par un joueur lambda. Il s'agit donc du joueur Elemental Ray, qui est un jeune garçon qui a profité de l'event de la fusée, enfin du missile fusée qui a décollé sur la map de Fortnite le samedi 30 juin à 19h30 pour tuer 48 joueurs. Donc en effet, au cours de cet event, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait une trêve, qui ont décidé de ne pas s'entretuer pour justement profiter du décollage de la fusée et observer ce qui allait se passer. Donc du coup, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient inactifs, qui regardaient donc dans le ciel. Et sur une partie, il y a des joueurs qui ont décidé de construire un une grosse structure pour monter le plus haut possible pour observer le décollage de la fusée et ce qui allait se passer sur la map de Fortnite. Mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu car il y a un joueur qui se prénomme donc Elemental Ray qui a décidé de détruire la base de la structure et qui a fait tomber les 48 joueurs qui se trouvaient dessus. Ils sont donc tous morts en chutant. Bien évidemment, comme c'est lui qui a détruit la structure, tous les kills lui ont été attribués et il en a tué 48. Alors on ne sait pas si c'était un coup qui était planifié ou non, dans tous les cas le joueur a été interviewé et bon apparemment il aurait fait ça pour le fun et il a battu le record du monde de kills sur Fortnite dans une partie solo. Dans tous les cas, bon moi je trouve ça rigolo, c'est marrant, ce qui est dommage c'est qu'apparemment sur Reddit il a posté la vidéo de ses kills et du coup il a reçu de nombreux messages de haine, donc voilà ça c'est vraiment dommage parce que sur internet tout dérive très facilement. Bon dans tous les cas il a battu le record, je sais pas s'il va être officiellement reconnu ce record, mais bon dans tous les cas c'est lui qui le détient. Et donc pour battre un record de 48 kills en solo je pense que ça va être vraiment très difficile, même si les plus gros joueurs essayent de s'y atteler pour le dépasser, je pense vraiment que c'est vraiment 48 joueurs, c'est vraiment dur. 48 kills sur 100 joueurs, c'est vraiment pas facile du tout. Donc à voir si quelqu'un arrivera à battre ce record, ou avec un petit moyen détourné comme l'a fait Elemental Ray. Mais voilà, c'est lui le nouveau détenteur du record du monde officiel, enfin ou non officiel, on sait pas si ça a été attribué. Mais le record de 48 kills dans une seule partie. Voilà, c'était une petite vidéo news. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce genre de petite vidéo. Sinon, regardez à la fin de la vidéo, je vous partage d'autres vidéos qui concernent Fortnite ou d'autres jeux. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.